Oui, on parle du visage à l'écran. Il faut d'abord avoir un démaquillant, un gel lavant, un sérum. Je vais d'abord regrouper les produits et on va revenir dessus. On va revenir sur l'utilisation de chaque. Le visage est tellement exigeant parce que c'est le visage qui a besoin de faire. Le visage en lui seul peut avoir, ça dit qu'au niveau de l'utilisation, on se retrouve avec 7 produits. Quand on veut respecter la déontologie, on se retrouve avec 7 produits. Mais chaque produit utilisé a son rôle spécifique à jouer. On écrit une petite table, par exemple, si c'est un visage qui n'a aucun problème, on devrait utiliser tous les produits. Après avoir utilisé la lotion, on passe à un sérum. Le sérum joue un peu le rôle de fixateur. C'est le sérum qui prépare la peau à recevoir le produit de traitement qu'on va administrer à la peau. Il faut avoir un sérum. Et le sérum également, on le choisit. On choisit le sérum toujours en fonction du problème qu'on va résoudre à la peau. Le visage est tellement exigeant parce que c'est le visage qui est la vitrine du corps. Si vous êtes fâché, c'est le visage qui encaisse. Vous sortez pour aller au marché, c'est le visage qui encaisse. Vous êtes contente, évidemment, c'est le visage qui encaisse. Raison pour laquelle le visage a plusieurs produits et chaque produit joue son rôle. J'ai expliqué tout à l'heure que le premier produit que l'on utilise dans sa tour de toilette, en ce qui concerne le visage, c'est le démaquillant. C'est le lait, ça peut être le lait démaquillant, ça peut être une lotion démaquillant. Peu importe. Quand vous utilisez votre lait démaquillant, donc qui est le premier produit qu'on utilise. Ensuite, vous utilisez un gel nettoyant. Ça peut être un gel liquide, ça peut être un savon en barre. Vous avez fini d'utiliser, de laver le visage. Ça se fait avant le bain. Tous les premiers produits-là ne restent pas sur la peau. C'est des lavants, donc ça veut dire qu'après, on nettoie, ça ne doit pas rester sur la peau. Une fois que vous avez lavé, fini de laver le visage, vous gommez. Quand on gomme, c'est pour enlever les cellules, non. On exfolie le visage. Une fois qu'on a exfolié le visage, tout ça, ça rentre dans les lavants parce que les trois premiers produits ne restent pas sur la peau. On lave avant de commencer le soin. On se comprend un peu. Donc, une fois qu'on a déjà tous les soins que vous faites avant, c'est de préparer la peau à recevoir le traitement. Une fois que vous avez donc tout ça, vous entrez dans le traitement proprement dit, qui est la lotion. Vous pouvez utiliser votre lotion thermique, votre lotion pétante, par exemple, une lotion qui clarifie la peau. Ça dépend de ce que vous recherchez en fait. Donc, les produits ne s'utilisent pas au hasard, le choix des produits ne s'utilisent pas au hasard. La démo cosmétique a beaucoup évolué de nos jours. Donc, on a vraiment plus besoin d'aller acheter des produits hors normes, si je peux dire comme ça. Oui, pour abîmer sa peau. Il y a des molécules qui traitent la peau. C'est vrai que c'est un peu coûteux et c'est, comment je vais dire, le résultat n'est pas rapide. Vous n'allez pas utiliser les produits ici et c'est-à-dire qu'en une semaine, en un mois, vous avez un meilleur rendement. On va un peu au-delà de 3 mois. C'est-à-dire quand vous commencez, vous utilisez comme si vous le faisiez.
c'est au bout de 3 mois qu'on commence à s'évaluer. Sinon, vous allez acheter les meilleurs produits, les jeter en disant, depuis que j'achète même les produits, c'est même là, ça va mieux. Vous rentrez chez le vendeur. Donc, il faut être patient. C'est un raccourci, s'il faut dire comme ça, parce que nous avons toutes ces vitamines-là dans nos aliments ici, mais on n'a pas toujours le temps. Le temps, comme la vitamine C, la vitamine C dans plusieurs aliments, mais on n'a pas dans les aliments, par exemple, on n'a pas le temps. Le temps de pouvoir le faire. Raison pour laquelle les compléments alimentaires sont importants. Le collagène, par exemple. Le collagène, c'est chacun naît avec le collagène, mais au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, le collagène, ça diminue jusqu'à finir. Et c'est le collagène qui permet à la peau d'être élastique. Parce que quand la peau est tendue, on est rajeuni, on le sent plus rajeuni. Donc au fur et à mesure que ce collagène finit, vous voyez la peau commence à s'infiler, la peau se passe. Donc quand vous boostez votre collagène, le collagène joue sur les os et sur la peau. Maintenant, il y a aussi des collagènes, tout est spécifique. Il y a des collagènes uniquement pour la beauté de la peau et des collagènes pour le type de collagène pour fortifier les os. Mais il y a d'autres collagènes aussi, tout ça est associé à la peau. Par exemple, nous avons deux types de collagènes ici que j'ai prévus. Vous voyez ce collagène ici? C'est un collagène plus les peptides à l'intérieur. Les peptides, c'est un élément rajeunissant. Le collagène, c'est un rajeunissant. Donc, si vous prenez pour quelqu'un qui est mature, pour les personnes un peu plus matures, quand vous prenez le collagène plus les peptides, c'est un rajeunissement un peu, comment je vais dire ça, expressif, pour dire comme ça. Mais ce n'est pas comme si vous allez boire aujourd'hui et demain vous êtes rajeuni. Toujours, on essaie d'aller sur 3 mois. Et ici, vous avez un collagène simple. Donc, le collagène simple là, c'est un rajeunissant également. Pour des personnes matures par exemple, vous pouvez prendre 2 fois de collagène par an. Vous prenez 3 mois, vous allez faire 3 mois. Vous le prenez 3 mois après. Donc, sur 1 an, vous êtes sûr que vous avez boosté votre collagène. Parce que vous pouvez faire des soins, surtout pour des personnes matures. Vous vous rendez compte que le muscle n'est pas trop abondant. Tout simplement parce qu'il y a des éléments internes qui ont tout monté. Vous voyez un peu. Oui, donc il faut que ce n'est pas mauvais. Nous pouvons retrouver ça, mais à quelle quantité on peut en consommant des aliments. Raison pour laquelle de temps en temps, il faut boucher ton. J'ai utilisé l'huile d'olive et du citron. Le citron, c'est la vitamine C. N'oubliez pas de bien les oreilles, c'est la partie qui vient de les utiliser. Parce que souvent, on nettoie bien le visage, mais on oublie la partie ici. Directement à sa crème protectrice et finit avec sa protection solaire. While you be fin, I'm still leading, kill anything I know.
no go fit in my shoes. High fashion Jimmy choose. Wanna sip some gin and juice tomorrow. Let's be looking for tonight.